et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Bienvenue dans votre émission. Il est minuit. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci pour mes frères, mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Nous te bénissons pour ta parole qui nous guérit, ta parole qui nous a franchi Nous te bénissons pour la vérité qui nous illumine. Nous te bénissons en toutes choses. Adonai, Dieu d'Israël. Au Yeshua. Amen. Nous sommes dans Psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 1er. Et nous lirons, bien sûr, tout le tout le chapitre. Il n'y a que six versets. Nous au chapitre premier. donc le temps que l'équipe technique nous mette ce passage sur euh, l'ordinateur. Voilà, c'est parfait. Donc Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs mais qui prend plaisir dans la loi de Yahweh et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, et ainsi tout ce qu'il fera réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs périra. La vraie bénédiction, selon les Écritures, ce n'est pas, euh, comme vous le savez, le fait d'avoir des richesses matérielles, tout ça, et ce n'est pas l'argent. Mais c'est le fait de marcher selon le conseil de Dieu et non ce sont le conseil, n'est-ce pas, des hommes. Alors, ici, il y a trois, et, euh, y a trois choses essentielles qu'il faut retenir. La première des choses, c'est la marche. La marche. La marche chrétienne, notamment. Et euh, nous sommes appelés à marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et tout au long de notre marche, nous faisons, bien sûr, des rencontres. Il y en a qui sont bonnes, d'autres mauvaises et euh, tout au long de notre marche chrétienne bien sûr il y a plein de personnes qui aimeraient n'est-ce pas nous donner des conseils qui nous donnent des conseils qui vous donnent des conseils mais le conseil le plus important qu'il faut recevoir qu'il faut écouter c'est le conseil de Dieu pourquoi parce que les écritures nous disent dans le livre de désaïe le prophète que vous connaissez dans le chapitre 9, au verset 5, les Écritures disent, ce qu'on va revenir sur psaume le chapitre premier. On va rapidement dans isaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père d'éternité, le Prince de paix. Pour accroître l'empire et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de Yahweh des armées. Et on nous dit que l'enfant dont il est question ici est appelé aussi le conseiller. Donc vous avez le conseiller, donc Yeshua, notre Seigneur, notre Dieu. Et donc d'un côté vous avez Yeshua, le conseiller, et de l'autre vous avez plein d'autres conseillers qui bien sûr veulent à tout prix nous imposer leur manière de voir les choses, leur vision, leur façon de, de fonctionner. Mais le conseil le plus important qu'il faut retenir, qu'il faut garder, c'est le conseil de Dieu parce que Dieu aussi dans sa parole nous a donné plein de conseils. De Genèse à Apocalypse ce livre, la Bible, qui est un livre bien sûr inspiré de Dieu, est un livre qui est qui contient beaucoup de conseils sur n'est-ce pas, le bon fonctionnement de l'œuvre du Seigneur, d'une famille, d'un couple, d'un foyer, euh, d'un pays, d'une nation. Nous avons dans le monde, par exemple, beaucoup de présidents qui ont plusieurs conseillers, mais qu'est-ce qu que ces hommes leur conseillent Qu'est-ce qu'ils leur donnent comme conseil Et euh, le meilleur conseil que nous puissions avoir, c'est le conseil que Dieu nous donne. Et là, justement, euh, David nous dit ici que l'homme qui n'écoute pas, les conseils des méchants, est un homme béni. Est un homme béni. Donc, et euh, et euh, on ne doit pas marcher sur le conseil des hommes, mais sur le conseil du Seigneur. Même si ces hommes parfois sont proches de vous, mais si le conseil qu'ils vous donnent ne correspond pas à la parole du Seigneur, mais il faut pas les accepter, tout simplement. Et euh, donc, il faut pas avoir peur de la pression, euh, de séparation, de division, parce que... Euh, euh, parce que vous acceptez de marcher selon le conseil du Seigneur. Alors, donc, il y a la première chose dont il est question ici, c'est la marche, la marche. Pour que votre marche chrétienne, mes amis, soit efficace, vous savez qu'Yeshoua revient, notre Maître, notre Dieu, Jésus-Christ revient. Pour que votre marche chrétienne soit épanouie, soit euh, victorieuse, ben, il faut plus écouter le, le conseil du Seigneur, les conseils du Seigneur, s'il y en a plusieurs, plutôt que les hommes. Dans la Bible. Dans les Écritures, les personnes qui ont marqué leur génération, leur temps, leur euh, saison, qui ont pu servir le Seigneur correctement, étaient et, euh, beaucoup plus avec Dieu qu'avec les hommes. Nous prenons l'exemple de Moïse, l'exemple d'Élie, l'exemple de Noah, euh, ou Noé, l'exemple d'Enoch, de, 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 de qui, euh, qui a marché pendant 300 ans avec Dieu. On nous dit la parole. Donc, euh, la parole nous dit euh, cela. Donc, cet homme, Enoch, est le premier homme que Dieu a pris. On nous dit qu'il a marché pendant 300 ans avec le Seigneur et Dieu le prie parce qu'il était intègre. Voilà. Donc, il a marché avec Dieu, il a écouté les conseils du Seigneur, il a plus écouté Dieu que les hommes. Vous voulez marquer votre temps, vous voulez servir le Seigneur efficacement, vous voulez laisser un héritage euh, à des générations à la fois présentes et futures, ben, écoutez plus Dieu que les hommes. Et bien évidemment, quand on écoute le Seigneur, quand on écoute ses conseils, et. Euh, mmh. Et euh, bah, on va forcément être incompris des hommes. Paul nous dit dans 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens, pardon, chapitre 2, il dit que l'homme spirituel a la pensée de Christ. Donc, marcher selon le conseil de Dieu, c'est écouter ou c'est avoir la pensée de Christ. Voilà. Et Dieu dit dans Isaïe 55 mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mes voix sont au-dessus de vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix et mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Donc, chrétiens, chrétiennes, vous voulez servir le Seigneur, vous voulez être enlevé parce que choix revient, vous voulez marcher de victoire en victoire, vous voulez remporter la victoire sur le, les démons, sur la chair, sur les pensées impures qui vous viennent à l'esprit, marchez selon le conseil de Dieu. Voilà. Un de conseils par exemple dans, dans la Bible que Dieu nous donne, c'est dans Josué chapitre 1 verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne se loigne au point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises, afin que tu, que tu appliques toutes les ordonnances que je t'ordonne en gros. Donc Dieu donne un conseil, il dit, si tu veux réussir dans ta marche chrétienne, dans toutes tes entreprises, c'est-à-dire dans tout ce que tu entreprends, que ce soit les projets d'études, de mariage, tout ça, et notamment la plus grosse entreprise que nous avons, euh, que nous, nous, nous avons mise en place, c'est la vie éternelle. Nous voulons aller au ciel, c'est ça que nous sommes en train d'entreprendre. Nous, nous avons reçu la vie éternelle et nous voulons la conserver, la garder jusqu'à la fin de notre parcours terrestre. Paul, dans 2 Timothée, chapitre 4. Il a pu dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Et désormais, la couronne de justice me sera donnée par le Seigneur en ce jour-là. Donc, s'il a pu achever la course, garder la foi, c'est parce qu'il a marché selon le conseil de Dieu. Je me rappelle dans Acte 21, des fils des prophètes, des jeunes prophètes, notamment le prophète Agabus, hein, qui était parmi les jeunes prophètes. Prophétiser sur Paul en disant l'homme à qui appartient cette ceinture, notamment Agabus le disait, sera lié à Jérusalem. Et les prophètes ont dissuadé Paul, ont essayé de dissuader Paul plutôt de se rendre à Jérusalem. Mais Paul n'a pas accepté parce que il avait le conseil de Dieu. Il marchait selon le conseil de Dieu. Et Dieu lui avait déjà dit qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'une fois là-bas il allait souffrir. Paul le savait. Les prophètes avaient vu juste que Paul effectivement allait être à emprisonner mais ils avaient des ils ont, ils ont mis sur la ils ont rajouté leurs sentiments ils ne voulaient pas que paul aille à jérusalem alors que c'était le plan de dieu et heureusement que paul marchait selon le conseil de dieu voyez donc marcher selon le conseil de dieu c'est marcher selon la vision du seigneur selon sa parole qu'est-ce que dieu vous dit dans le secret dans le coulisses même si tout le monde n'est pas d'accord mais qu'est-ce que dieu vous dit à vous alors faites-le et ceux qui vont s'y opposer dans un premier temps, ceux qui sont du Seigneur, finiront par reconnaître la main de Dieu. Mais vous, ne cédez pas à la pression. Parce que vous allez certainement être disqualifié par le Seigneur si vous marchez selon les hommes, selon ce que les hommes pensent. Restez ferme sur ce que Dieu vous a dit. Restez ferme sur la parole que Dieu vous a enseignée. Ça, c'est la première étape. C'est la marche. Nous marchons selon le conseil. La deuxième chose, dans la marche, on peut aussi s'arrêter. Il ne faut jamais s'arrêter. Vous voyez, une personne qui marche de, du point A au point B, en, entre les deux points, il peut y avoir, n'est-ce pas, et, euh, et euh, il peut avoir, euh, on peut vouloir euh, l'arrêter. Et parce que et euh, euh, la personne qui marche du point A au point B écoute les conseils des hommes, des méchants, elle va finir par s'arrêter. S'arrêter où Sur la voie des pêcheurs. Vous voyez donc il y a la marche, il y a la voie, et les Écritures nous disent qu'il y a deux chemins, il y a deux voies dans Matthieu 7. Il y a le chemin qui conduit au ciel, dont euh, mes amis la porte est étroite, donc c'est un chemin resserré. Il y a le chemin qui conduit à la perdition, dont la porte est bien sûr grandement ouverte, elle est large comme ce chemin. Et il ne faut surtout pas euh, écouter les conseils des méchants. Marcher en fonction de ce que les uns et les autres disent, mais en fonction de ce que Dieu dit. N'est-ce pas? Et deuxièmement, il ne faut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Oui, il y a la voie des pécheurs, des gens qui sont, qui ont, des pêcheurs qui ont leur voie. le chemin qui conduit à la perdition, nous dit Matthieu 7. Il ne faut pas s'arrêter là. N'est-ce pas? Donc, et euh, ne vous arrêtez surtout pas dans votre marche chrétienne. Il faut continuer à marcher. 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 C'est une course. Voyez? Et comme Paul dit dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 27, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je mortifie mon corps pour ne pas être désapprouvé après avoir enseigné aux autres. Donc dans votre marche chrétienne, dans votre détermination pour servir le Seigneur, dans votre détermination pour vous sanctifier, ne laissez personne ne laissez aucun homme aucune femme vous arrêter dans votre et euh, dans votre élan et surtout ne vous arrêtez pas sur la voie des pêcheurs ils vont vous perdre vous allez être disqualifiés sinon ne perdez pas de vue la cible c'est-à-dire n'est-ce pas l'objectif principal jésus-christ de nazareth et ça c'est la deuxième étape donc la première étape dans ce passage c'est la marche la deuxième étape c'est l'arrêt il ne faut pas s'arrêter la troisième chose, la troisième étape, euh, c'est quoi On nous dit, et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs Vous voyez, on marche. Deuxièmement, la personne qui se perd marche. Ensuite, parce qu'elle écoute les mauvais conseils, elle va s'arrêter. Et troisièmement, elle va finir par s'asseoir. Et là, elle perd la vision. Elle devient un lac, c'est-à-dire le lac. Le lac ne bouge pas. Vous voyez la, la, la vision de la marche chrétienne La marche chrétienne pardon, est comparée à un fleuve. C'est un courant d'eau. Comme, comme une rivière, un, une rivière, un fleuve, ça coule. Et le fleuve ou les rivières, les fleuves ne s'arrêtent jamais. Vous voyez? Et par contre, la personne ici qui se met à écouter, à marcher sur les conseils des hommes, et qui va finir par s'arrêter sur la voie des pécheurs. Et troisièmement, elle va finir par s'asseoir dans l'assemblée des moqueurs. Eh bien, elle va devenir un lac. Elle va, se, elle va se scléroser, elle va commencer à stagner, et ça, ça va être un lac, ça va être la religion. Et c'est ce qui se passe présentement. Donc, il ne faut jamais, jamais connaître ces trois erreurs, c'est-à-dire marcher sur le conseil des méchants, s'arrêter sur la voie des pêcheurs, et, n'est-ce pas, s'asseoir dans l'assemblée des moqueurs, des gens qui passent leur vie à se moquer, qui sont connectés ici et là avec les uns, parce que nous sommes dans une, dans une génération de connexion, hein. connexion avec toutes ces applications, avec tous ces réseaux, il y en a tellement, les gens sont connectés, les impies, les voleurs, les impudiques, les coureurs de ministères, les gens qui veulent des titres dans les assemblées, qui veulent des titres, tout ça, qui n'ont pas eu, qui sont aigris, des gens qui pensent avoir un ministère et qui pas, alors qu'ils n'ont rien. Il y a aussi le diable qui se sert de tout ce monde-là c'est cette, cette génération qui est comme ça ayant hein, ces sites internet où Christ n'est pas glorifié des gens qui passent leur temps sur leur Facebook euh, sur euh, leur site internet à, 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 parce qu'ils sont aigris à parler des autres alors que au lieu de présenter Christ parce qu'ils n'ont pas de message n'est-ce pas c'est des jaloux alors s'arrêter sur eux c'est perdre son temps inutilement parce que il faut racheter le temps car les jours sont mauvais Satan sait qu'il a peu de temps et il veut perdre beaucoup de gens alors il faut se focaliser sur la croix, sur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Il ne faut pas s'arrêter par rapport à une femme qui veut te séduire et t'arrêter sur elle et perdre ta vision, la vision du ciel. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils avaient comme vision Canaan. Vous voyez Et, et, et c'est ce qu'il faut avoir comme vision. On sort du monde, la vision, c'est le ciel. La vision, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas le mariage. Ça peut arriver, c'est vrai, c'est une grâce, c'est une bénédiction, mais c'est pas ça la finalité. La finalité ce n'est pas euh, mes amis, avoir des enfants, la finalité ce n'est pas acheter une voiture, une maison, la finalité c'est le ciel. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et si ta vision c'est le ciel, eh ben tu ne vas pas marcher sur le conseil des méchants qui veulent que tu t'arrêtes sur leur voie, tu ne vas pas t'arrêter sur leur voie qui veulent que tu sois dans leur assemblée des moqueurs. Au contraire, tu vas continuer à marcher, à marcher vers le Seigneur, parce que la vie chrétienne est d'abord une vie personnelle. Avant d'être euh, une vie communautaire, c'est d'abord une vie individuelle, personnelle. Chacun avec son Dieu, chacun avec sa Bible, chacun avec son temps d'adoration, son temps de prière, chacun avec, mes amis, euh, avec son Seigneur. Voilà. Donc, euh, euh, marchez selon l'Esprit de Dieu. Et si vous marchez selon le conseil du Seigneur, si vous ne vous arrêtez pas sur la voie des pécheurs, si vous ne vous asseyez pas dans l'assemblée des moqueurs, des gens aigris, des gens euh, rebelles, et, euh, menteurs, hypocrites, qui acclamaient la vérité hier, le message hier et aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, commencent à le décrier, et, et heureusement que le peuple de Dieu a compris leur jeu. Si vous ne vous arrêtez pas sur leur, euh, mes amis, leur dire et leur comportement, eh bien, vous serez comme un arbre, Planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Voilà. Cet arbre-là, qui est constamment arrosé par l'eau de la parole, parce que cet arbre-là, cet homme, cette femme, médite nuit et jour la parole de Dieu. Et tout ce que tu vas faire, tout ce que vous ferez, réussira. Ben voilà. Et les autres ils vont échouer. Ils essaient de commencer des églises, ça ne marche pas. Ils essaient de faire du, du racolage, ça ne marche pas. Ils essaient d'inviter les âmes chez eux, ça ne marche pas. Et, et, et euh, c'est la confusion totale, n'est-ce pas Ils essaient de prier pour les malades, il n'y a pas de guérison, pas de délivrance, il n'y a rien. Hein? Certains ont des bâtiments remplis du monde, mais il n'y a pas la vie, il n'y a pas la vie. Et vous, vous qui marchez sur le Seigneur, si vous marchez sur le Seigneur, eh bien, tout ce que vous allez faire tout ce que vous ferez selon la parole du Seigneur, en, en accord avec la parole, ben forcément réussira, marchera. marchera. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. Le vent ici, c'est le vent de l'esprit, c'est le jugement de Dieu qui vient et qui déracine, n'est-ce pas, cette, euh, euh, ces hommes et ces femmes qui ne marchent pas selon, la, selon le conseil du Seigneur. Ils sont apportés au loin. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement ni les pécheurs dans l'assemblée de justes. Voilà, il y a l'assemblée des moqueurs et il y a l'assemblée des justes. Dans l'assemblée des justes, quand ils se retrouvent, ces frères et sœurs, ils sont là pour prier, pour adorer le Seigneur, pour servir le Seigneur. Voilà, c'est ça leur vision. Car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Et ils n'iront pas loin, les méchants. Ils ne pourront pas percer parce qu'ils sont méchants, parce que Dieu ne le connaît pas. Dieu ne le reconnaît pas parce qu'ils ne sont pas de la semence du Seigneur. C'est livré. Frères et sœurs, c'était juste une exhortation pour vous encourager à persévérer dans ce temps difficile, dans ce temps de la fin, car Yeshua revient. Pas de distraction, on avance ensemble vers le Seigneur, vers la lumière, vers notre destination finale et que Dieu fasse son œuvre avec les uns et les autres. Que Dieu vous garde, ne quittez pas. Dans moins de trois minutes, il va y avoir un, un programme d'adoration avec nos sœurs qui sont là. Et euh, vous allez être agréablement encouragés par ces chants prophétiques. Et ensemble, bien sûr, on va adorer le Seigneur. Donc, on revient dans moins de trois minutes. À bientôt. Au revoir.